Salut mes cripouillous, comment ça va chez vous? Bien, la forme? Moi ça va super bien. On est dans la série des vidéos d'énergie dans le studio public dans les années 2000-2002 par là. Je me rappelle plus exactement de la date. Avec Bruno Guillon, Philippe Lelièvre, Jonathan Lambert, Arnaud Lemort et le directeur artistique qui s'appelle Henri Delorme qu'on voit en action dans cette nouvelle vidéo où Bruno Guillon va manger un insecte. Oh là là, ouais, ouais, quelle aventure, puisque l'émission, c'est une spéciale Koh-Lanta à mourir de rire encore une fois de plus, avec ses animateurs et co-animateurs, des bêtes de scène, des vrais showman, difficile à tenir une ambiance radiophonique. C'est pour ça que Henri Delorme est là pour manager un petit peu tout ça. On va découvrir cette nouvelle vidéo ensemble. C'est parti. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Bon visionnage à vous. Là tu mets un... Ok, non mais y'a pas de problème. Non, tu vas pas le manger. Mais non, mais il faut avoir une boisson, il faut être capable de les cracher. C'est Nora. C'est Nora, une affection. Oh là 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 là. Ouais, non, mais c'est une mission. Mets de John, ça dérange pas. Viens. Ouais, tu mets donc Koh-Lanta avec le lait. Ça vaut tout ça, hein. Non. Voilà. Et dans les seins, je travaille pour avoir un coup de cul derrière. Et ceux qui ont envie de péter, dès que tu es ouvert, tu peux en bouffer. Il est là ou pas? Tu peux avoir goûté. Je t'envoie directement derrière? Ouais. Ok. Et tu veux pas qu'il casse? Ça marche. Ok, ça marche. Sur Énergie. 7h27, vous écoutez Énergie, tout va bien. Nous sommes plongés dans l'ambiance de Koh-Lanta depuis 6h du matin. Il y a des arbres pour donner une impression de jungle. Bon, John, Phil, Arnaud de Koh-Lanta. Vous avez quand même vu la scène où à un moment ils font une épreuve, ils sont obligés de bouffer des vers. Ouais. D'accord. On a essayé de trouver des vers comme ça, seulement ça se trouve qu'en Thaïlande. Ouais. On a appelé l'Institut National de la Recherche Agronomique. Et ils nous ont donné une adresse qui ne fait pas des vers, mais des chenilles. Donc j'ai la boîte devant moi, c'est Anne. Oh mon Dieu! Qui les a. Absolu devant mes yeux. Qui les a cuisinés hier soir. Ah! Ça se cuisine? Ah, ça pue, c'est une horreur. Vous verrez les images sur internet energie.com. Ah! Allez, les touches! Arrête, Bruno, là! Non! Donc j'ai fait la promesse qu'il y en a un de nous qui en mangerait un. Et là, c'est toi. Moi. Non, ça. Ça pue vraiment. Donc je vous explique, vous imaginez une vraie chenille d'arbre. Ah mais c'est cuit, tu les as... elles sont cuites à la poêle. C'est cuit à la poêle. Mais ça doit être bon, Bruno. Ouais, bah sans l'odeur. Est-ce que t'as jeté la poêle après? Ça pue, Je vous crois bien, j'en goûte une. Non, j'en goûte une seule. Si, bah si, on a fait. Ah oui, vas-y, ça. Non, ça doit être bon. C'est pas super... Mais vas-y, allez. Oh là, la Bruno, si tu fais ça... Oh non. Vas-y. Oh non. Énergie.fr, c'était des vraies chenilles, vous pouvez le confirmer. Oui, non, allez, vrais ça, est-ce que ça a des vertus particulières? Attends, j'essaye moi avec un KitKat. Oh non, c'est dégueulasse, arrête. C'est très bon. Ah, ça a l'air mieux. C'est très bon. Bon, il y aura une autre expérience concernant Koh-Lanta tout à l'heure. C'était salé ou sucré? C'est dégueulasse, c'est gerbissif. Avec des bêtes. Moi je peux sodomiser une poule, j'ai déjà fait. Oh là non. Sans casser les œufs. Oui, exactement. 7h30, c'est Énergie. Les infos, ils vous appellent maintenant. Tout de suite le 08 36 68 42 48 pour gagner 3000 francs. À qui vous gagnez des maillots faibles? Voici les news. Pardon.
Tu veux une chenille, man? Tout ça avec du rôti. Tu vas gerber. Voilà, bah, c'est meilleur. Tu vas gerber. Mais ouais, mais attends, et c'est quoi le coup, Bruno? Viens, il en reste. C'est quoi comme ça? C'est intéressant, c'est un chou là-dedans. C'est ça, quand tu crois qu'il y a un truc qui tranche la bouche. Ça goûte quoi alors?